Bonjour à tous les gens et bienvenue sur cette chaîne. Voilà, voilà. Par contre, je sais pas si c'est bien que je laisse tous ces trucs là parce que c'est là qu'on voit que je suis sur un émulateur. Hein. Ouais, pas du tout parce que je l'ai coupé. Et puis voilà. Mais je voulais quand même, pour le fun, comme ça. Pas enregistrer les meilleures parties, mais effectivement, ça me permet de regarder bien la belle boost que je vais faire. Parce que j'en avais envie. Non, mais. Oh, vas-y. En plus, c'est facile à. Comment dire. Un truc. À contrer. Bon, j'avoue, effectivement, normalement, dans la partie tactile, c'est beaucoup plus simple. Hein. Mais voilà. Bon les gens, vous n'êtes pas difficile. C'est le premier logiciel que j'utilise pour le montage un peu sur Mac et surtout la capture. Donc voilà, j'essaie de faire au mieux. C'est pas top top. Mais voilà, et en plus c'est sur ordi. Donc effectivement c'est un peu compliqué. Ce renvoi va-t-il puer la merde? Oui, il pue la merde. Ouais, c'est du... Pam, pam. Et bon, à ce moment-là, j'étais pas trop inspiré au niveau des commentaires. Pouf, pam, pif, pouf, pim, pam. Lui, il peut venir là. Il va être tranquille. Pourquoi il fait ça? Parce que t'as pas voulu tenter. C'est pour ça. T'as eu peur. Il faut tenter. Il faut tenter. Surtout quand tu fais un match à 50, ça te permet justement d'entraîner. De voir ce qui est faisable et pas faisable. Il y a toujours des choses faisables et pas faisables. Et quoi qu'il arrive, bon, il y a des chances que la balle se retrouve en même position que... Ouh, c'est dommage. Dans la même position que dans d'autres parties, mais ça ne fait pas de la partie la même partie. La partie peut très bien être très différente. Notez bien tout ce que je dis. Très important cette histoire de parties parfois différentes, hein. Elles ne sont pas identiques, jamais. C'est très très important. Donc je ne prends pas de drogue, tout on ça revient est en tout défense, on protège, on attend que Nawal aille attaquer. Nawal n'attaque pas, d'accord, pas de problème. Moi je reviens tranquille, t'as vu pépère. Hop, je vais rebondir une fois là-bas. Voilà, alors tu fais quoi Nawal? T'es où? Il est où Nawal? Il est où? Ferme ta gueule. T'es pas là quoi. Ok, tu fais ça. Eh ben moi, tu vois, moi je suis un ouf, je fais ça. Hein? Il est où Nawal? Il est où? Hein? Il est où? Alors maintenant, normalement, tu vois, elle va passer là, elle touche ce pion là, et ensuite elle va dans tes buts. T'es prêt? T'es prêt, ma gueule? Regarde bien. Ah mince. Ah, c'est dommage, j'ai mal ciblé. Mais c'est là, Nawal, il va faire un très joli geste qui normalement aurait dû mener à un but. Alors, là, tu me la positionnes. Ce qui fait qu'automatiquement, je n'ai qu'à tirer comme ça, hop là, sans les mains. Oh merde. Bon. Malgré tout, il fallait un petit peu de concentration que je n'ai pas eu. Mais ce n'est pas grave puisque je rattaque aussitôt sur une erreur de ta part. Et quelle erreur de ta part? D'accord. Donc maintenant, on est à 1-1, toi et moi. Hein, tu vois, on est à égalité. Hein. Alors, on va voir. Ah, t'as retenté de faire ton petit tir de tout à l'heure. Hein. Alors, je fais double rebond. Tu es prêt? Normalement, si je me trompe pas, elle touche ton gardien au pire. Voilà, elle touche ton gardien au pire. Ouais, il s'appelle au pire le gardien. Attends, j'assume pas. Et sinon, au mieux, ce qu'elle aurait pu faire, c'est éventuellement, rien. Ah, ouais, pas mal. Alors là, c'est pas mal, j'avoue. C'est bien placé, mais non, pas encore. Entraîne-toi encore un petit peu. Bon, ce tir de Nawal, il est juste sublime. Sublime, tu vois. Bon, là, je suis le con, mais franchement, il était superbe ce tir. Et que ça m'énerve. Hein, Nawal. On a trop rigolé. Tiens, une petite revanche, Nawal. Vas-y, viens, je rejouer, moi. Allez, reviens. Reviens, Nawal. Reviens. Et pourquoi t'as pris mon logo avec écrit José Spéré dessus, hein? Les gens après ils croient qu'ils jouent contre José Spéré, sauf que tu t'appelles Nawal, alors ils comprennent pas, tu vois. Eh sérieux, non, j'ai arrêté. Ouais, super. Je m'auto-énerve. Au début c'est marrant. Pas du tout. Après c'est plus marrant, on est d'accord. Et encore au début c'est marrant, ça dépend pour qui. On n'a pas tous le même humour.
Moi, ça m'a vraiment éclaté. Limite, malaise quoi. J'étais pas bien, j'étais pas bien pendant un moment. Je me suis dit, waouh. Mais c'est mon côté schizophrène en fait. Des fois, des personnes comme ça s'emparent de ma bouche et de mon corps et s'expriment à ma place. Ça arrive souvent, ça arrive souvent. Ah, il va tenter une attaque. Oui, j'en profite pendant que je dis n'importe quoi pour vraiment commenter le match. Il fait une tentative, mais voilà, cette tentative se termine par une erreur. Oui, tu peux le dire. Tu peux le dire. Super tir. Voilà. En fait, on va dire maintenant, je te laisse pas de chance. Tu vois, j'en ai marre. J'en ai marre d'être trop gentil. Non, je déconne. Sur le début, tu as plutôt bien joué pour un petit niveau 21. Je voudrais pas. Voilà. Petit niveau 21, 56%. Comme moi, quand j'étais niveau 21, je pense. J'avais la même frénésie, tu vois. J'avais le même bagou, tu vois. J'étais à fond. Bon, c'est le dernier match qu'on fait ensemble, Nawal. Et ensuite. Trois trucs à faire, dont un petit montage, oui, de ce match, entre autres. Et puis d'autres petits. Ensuite, trucs, voilà, quoi. Normal, j'ai une vie, quoi. J'ai pas raconté ma vie, c'est pour ça. Je pourrais raconter ma vie, ça peut vous intéresser. Et même, je trouve qu'elle est plutôt intéressante. Mais c'est une chaîne Soccer Star. Tu vois, je me suis rendu compte que quand tu as un sujet sur une chaîne dédiée à un sujet, ça passe pas forcément. Les gens, ils s'abonnent pas en se disant ou j'espère qu'un jour il va faire des vidéos qui expliquent comment faire des PowerPoint. Non, je suis du Soccer Star quoi. La preuve, j'ai fait une vidéo qui parle du montage vidéo, qui est une chose que je maîtrise, enfin que je maîtrise, que je pratique depuis un certain temps. Et qu'est-ce que... Oh là là là, c'est dommage. Elle aurait dû glisser le long. Mais non. Ouais, je pense que c'est l'effet qui a fait que ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que t'as marqué un but que ça y est, on fait... Genre, ça va me décourager. Lui, il est trop fou, lui. Franchement, Nawal, t'es trop fou. Ouais, donc... Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc j'ai mis le truc du montage et je me suis bien rendu compte que de toute façon, voilà, quand ça sent un peu du sujet. Et c'est pour ça que quand j'ai voulu faire mon autre chaîne qui marche pas du tout, qui est une grosse merde de chaîne, YouTube Actu, quand j'ai voulu faire YouTube Actu, j'ai hésité à me dire est-ce que je le mélange pas parce que voilà, j'ai déjà des abonnés acquis. Et puis après, je me suis dit, bah ouais, mais c'est comme si le mec, je sais pas, il s'abonnait à, je sais pas, à Canal+, et puis qu'au bout d'un moment, on allait lui proposer les programmes de TF1. Je veux dire, non, tu t'abonnes à un truc, c'est pour avoir un truc, quoi. Et voilà, donc, pour ça que j'ai séparé plusieurs entités. D'ailleurs, je vous le dis, il n'y a que ceux qui ont écouté vraiment tous les commentaires. Donc, le commentaire, maintenant, qu'ils sauront, j'ai 3-4 chaînes en fait. J'en ai même une où on voit où je suis youtubeur, où je suis face à la caméra et je raconte des trucs, tu vois. Je m'éclate, je fais ma vie. Je raconte des trucs, c'est où je fais un peu des tutos sur tout ce qui est. C'est sur quoi que je fais des tutos? Ouais, sur des petits équipements comme ça. Plutôt sympa. Ouais, donc voilà. Si jamais toi-même tu es intéressé, tu peux essayer de me trouver. D'ailleurs, je sais plus c'est quoi le nom de la chaîne. Il me semble que c'est Ideoba le nom de la chaîne. Et que j'ai remis récemment, et d'ailleurs je devrais faire le test du Roku, non c'est Roku, R-O-K-U, je me souviens plus l'orthographe, ou R-U-K-U, je sais plus. Mais en tout cas c'est une clé type Chromecast, mais pas vraiment type Chromecast, un peu différente au niveau de la technologie. Et donc ouais, c'est ce que j'étais en train de monter ces derniers temps. Ah ouais, ça se renvoie direct. Quelle grosse merde. Et juste avant, donc je parle du boîtier Raspberry qui est
un super boîtier. C'est un ordinateur en fait. Enfin, je dis boîtier parce que d'ailleurs, quand tu l'achètes, c'est plutôt une carte que vraiment un boîtier. Une fois que tu l'as mis. Eh ben si, mais je joue super mal. Une fois que tu l'as mis dans le truc, c'est une carte, un boîtier, je sais pas. Et ouais, Raspberry, pas mal quoi. C'est très 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 bien parce que j'ai installé donc dessus, ça m'a pris plus de temps parce que je suis un expert, j'ai installé des émulateurs de vieilles consoles et surtout un media center ultra ultra complet, et je peux te dire que voilà, je me suis pris la tête pour bien le charger, pour bien le travailler. Limite le truc il est exploitable en l'état en faisant juste une copie de mon disque dur, n'importe quoi. Je voulais que ça rebondisse avant son pion, mais peut-être pas comme ça. Donc voilà, on a bien joué tous les deux, on s'est bien éclaté. On va arrêter là le match, les commentaires et tout le bordel. Et je vais arrêter là aussi mon enregistrement, si je peux, puisque je ne sais pas si je peux. Et je peux.